Bon, c'est bien beau, mais moi, je suis en train de me faire bouffer par les moustiques, je rentre. C'est souple. Ah oui, d'accord. Eh bien, bonjour à tous mes amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors tu le vois, hein, là, plus les épisodes avancent, plus on met le blouson. Hein. Il y a un problème. L'été arrive et on se couvre de plus en plus. Bref, allez, tu le vois déjà, bah, je suis encore en un seul morceau. Tu le vois, je ne suis pas monté en l'air à plus de 10 mètres avec ma Kukirin G4. Ce fut un exploit. Alors pour commencer cette vidéo, je te précise que cette trottinette m'a été envoyée l'année dernière. Je devais la garder en stand-by parce que les stocks n'étaient pas à jour. Après ça, j'ai vu que certains ont posté les vidéos, visiblement en bravant hein, l'interdiction de poster les vidéos. Et il y a eu pas mal de cartons avec la machine. Alors ici, c'est la première version. Sache qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle version qui apporte quelques améliorations. Mais les quelques améliorations que la nouvelle machine te propose ne vont pas gommer tous les défauts de ce véhicule. Donc, on va le voir dans toute cette vidéo. Hein, c'est un véhicule qui souffre quand même d'une construction un petit peu spéciale et qui donne un caractère au pilotage vraiment différent et délicat. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu spécial hein, parce que ça va pas être forcément une machine que je vais te recommander, sachant que c'est pas forcément la meilleure dans cette marque. Hein, c'est ça le vrai paradoxe, c'est que dans cette marque, on a de super machines et on a cette machine qui est vraiment très spéciale. Je vais essayer de te faire la revue de la manière la plus honnête et la plus objective possible. Hein, et on va commencer classiquement par faire le tour par le guidon. Alors tu le vois, un petit guidon tout droit, assez petit, mais qui est quand même relativement confortable quand on roule avec. Hein, j'aime bien la matière des revêtements du guidon. Hein, c'est assez agréable à prendre en main. Donc tu vas retrouver un commodo hein, qui va te servir à allumer les clignotants droite-gauche. Hein, clignotants qui ne sont visibles qu'à l'arrière du véhicule, ça c'est quand même un petit peu dommage, hein, quitte à mettre des clignotants, autant qu'on les ait aussi à l'avant du véhicule. En dessous, tu vas retrouver le petit klaxon hein, pour te faire entendre sur le trottoir, hein, poussez-vous, c'est moi qui arrive. Bien au centre, tu vas retrouver un large compteur, au soleil, c'est pas la peine, tu ne vois rien dessus, c'est hallucinant. Hallucinant à quel point tu ne vois rien sur ce compteur. Alors, tu as toutes les infos. Hein. La seule chose qui est bien visible, c'est quand même le mode engagé hein, en termes de puissance 1, 2 ou 3. Ça, tu le vois bien parce que tu as des couleurs différentes. Blanc, vert et orange. Le orange étant le mode race. Hein, on va le voir tout à l'heure. C'est le mode à éviter. Et d'autre côté, tu vas retrouver la gâchette d'accélérateur hein, que tu vas pouvoir actionner au pouce ou en tournant carrément la poignée. Hein. Tu vas voir, c'est vraiment une pièce en L. Hein. Et donc, c'est sympa parce que tu peux vraiment choisir comme ça ce que tu préfères. Alors pour ce qui est des leviers de frein, c'est des leviers de frein en plastique. Et les freins, honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus fou. Hein. Chez Kukirin, on a l'habitude d'avoir des freins généralement, hein, généralement à câble, mais avec des plaquettes et des disques qui ont un bon mordant. Ici, ils sont quand même moins bons que d'habitude. Hein. C'est pas la même usine en fait, qui construit la G2 Master que la G4. Et donc, tout ce qui est équipement ne vient pas forcément du même endroit. Et là, on le sent, hein, le mordant est pas fou. On va descendre sur cette longue colonne de direction hein, qui est l'un des points faibles de la machine, tout simplement. Tu le vois, c'est une construction par plaque métallique vissée. Et en fait, ce qui se passe, bah, c'est que c'est vraiment trop souple. Hein. Cette machine a la fâcheuse tendance au guidonnage, au louvoiement, tout simplement de par sa méthode de construction. Hein. Partout, c'est un empilage de plaques vissées. Et évidemment, ces plaques vissées ont des flexions, des torsions et te génèrent un pilotage assez délicat en fait sur ce véhicule. Pour la fourche avant, une construction encore une fois avec des plaques hein, vissées ensemble, un amortisseur sur une fourche en C.
ça fait parfois le job. Ici, c'est quand même une construction un petit peu douteuse. Alors, on arrive sur des roues hein, avec des pneus slick. Alors, elles sont jolies. En revanche, le pneu, bizarrement, j'ai pas l'impression qu'il a un super profil. Alors, je sais pas si c'est le pneu qui a vraiment un mauvais profil ou est-ce que c'est tout simplement la construction générale plus le pneu ou pas qui fait une sensation bizarre quand tu roules avec. Pour ce qui est du deck, un grand deck en silicone, il est énorme. Là, tu as une place de dingue dessus. Il renferme une grosse batterie hein, qui va pouvoir te permettre de faire pas mal d'autonomie. Donc à l'arrière, tu vas retrouver la roue motrice de 2000 watts avec le même pneu qu'à l'avant et un petit garde-boue pour te protéger les fringues. Alors évidemment, je l'ai passé au banc d'essai hein, pour mesurer cette puissance hein, qui paraissait sur le papier démoniaque. Et effectivement, on a une très forte puissance. Donc tu le vois, sur le mode 1, on obtient une toute petite vitesse avec une puissance de 0,6 chevaux. Hein. Bon là, évidemment, tu ne risques rien. Le véhicule se déplace vraiment tout doucement. Sur le mode 2, c'est le mode que moi je privilégie, en fait, tu avances à 50 km/h et avec une puissance de 2 chevaux 4. Donc là, dans cette vitesse-là, tu ne crains rien, la machine fonctionne bien. Mais c'est après que ça va vraiment se compliquer. Et donc sur le mode race, ce dernier mode là, effectivement, hein, tu as une vitesse qui est complètement hallucinante. Hein. Au banc d'essai, tu le vois, le véhicule est capable de prendre 90 km/h. Sur la route, il ne les prendra pas, hein, tout simplement, parce que tu n'as pas assez de puissance pour contrer le vent, etc. Mais disons que sur un faux plat en descente, si tu es léger, tu pourrais choper éventuellement 90 km/h. Ce qui est complètement pas recommandé, tout simplement parce que le châssis n'est pas capable d'y aller. Hein. Au-delà de 50 km/h, c'est une trottinette qui devient vite dangereuse de par sa conception. Et donc tu vas te retrouver avec des guidonnages, un châssis qui se déforme et donc tu vas tomber, ça c'est clair. Ne t'amuse pas à dépasser 50 km/h avec ce véhicule. Donc c'est un moteur qui a été créé pour aller vite. Donc tu le vois sur la courbe, il n'a pas de start tout simplement. Tu vois, c'est tout gommé sur l'accélération. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça veut dire que dans une côte, tu montes. Si tu as attaqué la côte avec de l'élan, hein, si tu es comme moi, tu es gros, tu t'arrêtes dans la côte, tu repars, la machine, elle ne repart pas. Elle n'a vraiment pas assez de coupe pour t'emmener. Ah, mais là, elle ne monte pas la côte. Ça ne monte pas, hein. Là, ça monte pas du tout. Et ça, c'est vraiment dommageable. Moi, je te cache pas que cette machine-là, c'est un pote qui me la reprend. Il l'a essayé, il est comme moi. Pourtant, il est léger, hein, il fait 70 kg, j'imagine. Et même avec lui, il m'a dit en bas, c'est vrai qu'elle manque grave. Après, quand il roule, bah, effectivement, hein, il la connaît, il a vu les autres essais, il a vu que tout le monde est tombé avec, ou elle a critiqué vraiment ouvertement. Lui, il l'a essayé, il est comme moi. Hein, il est en demi-teinte parce que, bon, je te cache pas que la mienne a été réglée. Hein, j'ai passé du temps à l'affiner en châssis. Donc, c'est-à-dire que j'ai durci énormément l'amortisseur à l'arrière et j'ai assoupli au taquet l'avant hein, pour avoir une machine qui travaille vraiment à plat et un châssis qui gomme les aspérités. J'ai travaillé sur la pression de pneus. Pour moi, j'ai 3 barres à l'arrière et 2 barres 5 à l'avant et là ça va. Du moment que la route est propre, elle roule super bien. En revanche, dès que la chaussée se dégrade, là il faut oublier tout de suite, il faut rendre la main, il faut rouler à 30 à l'heure hein, parce que le châssis n'est pas capable de supporter. Excuse-moi, mon téléphone est en train de tomber. Et de même que si tu arrives en courbe, c'est ce qui m'est arrivé lors de ma première sortie, je suis allé sur le trottoir, ça allait super bien, parce que j'ai une piste cyclope toute neuve, donc ça allait super bien. Et en revanche, dès que je suis arrivé au bout, hein, j'ai voulu passer d'un trottoir à l'autre, hein, je dois rejoindre la route. Donc là, j'ai dû tourner à la vitesse où je tourne d'habitude avec une trottinette. Tu vois, je me sentais bien, j'ai essayé de tourner. Et là, la machine, bah, elle fait une torsion. Et elle te fait un truc trop bizarre. Donc vraiment, c'est une machine qu'il ne faudra jamais forcer, rouler vraiment en souplesse, quoi. Alors bien évidemment, si tu respectes la législation française de rouler à 25 km/h avec la machine bridée, bah là, il t'arrivera jamais rien. Mais
On est tous pareils. Si on a une machine qui est capable de rouler à 70, on veut rouler à 70. Et là, c'est là que ça devient vraiment dangereux. Pour ce qui est des specs, hein, on t'annonce 70 km/h. Alors effectivement, elle pourrait y aller. Moi, j'ai pas tenté. Hein. C'est pas la peine. Hein. T'as vu Arnaud Mauber, t'as vu plusieurs. Hein. Plusieurs sont tombés avec. Je te précise que Arnaud vient de ressortir une nouvelle vidéo de la version améliorée de cette trottinette. Bon. On sent qu'il a essayé de pousser un peu la vitesse, mais on sent aussi dans son discours que, bon, effectivement, elle va peut-être mieux que celle-là, mais c'est toujours pas une révolution et c'est pas forcément la machine à conseiller. Chez ce constructeur, tu as de machines splendides. Hein, j'entends parler, admettons, la G2 Master que je t'ai testée la semaine dernière. Mais honnêtement, évidemment, sauf sur la G2 Master et celle-là, laisse-la de côté. Autonomie, hein, on t'annonce 75 km, donc là, toujours est-il, hein, c'est optimiste, mais c'est une grosse batterie, tu vas quand même pouvoir faire au moins entre 30 et 40 km. Et après, si tu roules en mode 1, effectivement, les 75 km sont atteignables. Donc, on t'annonce un moteur de 2000 watts, hein, ça c'est vérifié, il est très puissant, mais avec une accélération trop douce. Alors, on t'annonce un écran tactile, alors effectivement, il l'est, mais honnêtement, il n'apporte rien dans l'expérience utilisateur. Une charge maxi sur la machine de 120 kg, donc ça va, tu vas pouvoir tranquillement manger. En revanche, j'attire ton attention, hein, là, visiblement, j'ai pas ouvert le deck, mais c'est pas de la cellule LG ou Samsung, ou quoi. Non, c'est vraiment de la cellule bas de gamme, mais bon, pour sortir une grosse batterie comme ça, 2000 watts à 800 balles, c'est clair que les mecs sont obligés de tirer sur la cam à certains endroits. Hein. Donc, la batterie, moi, dans mon cas, elle fonctionne très bien, aucun souci, mais j'ai relevé quand même hein, quelques discours qui disaient que certains avaient quand même des problèmes de batterie. On t'annonce double suspension avant-arrière, hein, donc on en a parlé, à régler suivant ton poids, je pense que c'est important, hein, surtout sur ce genre de trotte. Prends du temps à régler tes pneus et tes amortisseurs hein, pour essayer d'améliorer la machine par rapport à ta morphologie, c'est très important sur ce type de véhicule. D'autres machines, elles sont bien nées, bien équilibrées, donc tu as moins besoin de forcer en fait sur les détails et les réglages pour t'en sortir, mais ici honnêtement c'est important. Alors, on t'annonce de pouvoir monter des côtes de 20 degrés. Oui, bon, effectivement, mais si tu arrives lancé, hein, si tu démarres à 20 degrés, t'as pas intérêt à être gros. À 40 kg, tu vas monter. À 100 kg, ça va être chaud. Putain, mais elle est molle en moteur. Oh là là. Ah là, je vois déjà exactement la courbe de puissance, quoi. Elle tire pas en bas. Bref, voilà, tu comprends, c'est une expérience assez particulière pour moi de te présenter un objet, donc je suis même pas vraiment intéressé, pas conquis surtout, voilà, c'est compliqué, surtout de donner un avis objectif. Pour faire simple, si c'est de la belle route, un billard, que tu vas pas la forcer dans les virages, tu peux rouler avec, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner si tu vas pas rouler à 70 km/h avec. En revanche, si tu veux faire un peu le fou, la forcer en virage, etc., que tu es sur des routes défoncées et tout, honnêtement, passe ton chemin, achète-toi une G2 Master, tu seras bien plus sécurisé. Et en plus, tu te feras, à mon sens, plus plaisir avec les deux roues motrices. Après, là, moi, mon pote, il me la prend uniquement pour le look. Il aime bien le look, donc il la veut, il la prend en connaissance de cause. Évidemment, hein, il l'a essayé, il sait à quoi s'attendre, mais pour lui, ça lui convient. Pour moi, ma recommandation, c'est tu fais ce que tu veux au sujet de cette trotte. En revanche, sache que dans cette marque, il y a des machines beaucoup plus performantes en termes de châssis et de sécurité. Là, aujourd'hui, je ne suis pas là forcément pour te la vendre. Je te la présente. Donc, je te mettrai dans la description en ligne de redirection si tu veux aller voir un peu hein, ce qu'il y en est au niveau des specs. Si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait toujours plaisir de voir la communauté grossir. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!